Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite recette de salade que je fais de temps en temps. Donc, c'est une préparation froide que j'aime bien faire en fait le midi pour manger en fait quelque chose d'assez sain et que je peux transporter par exemple au travail ou manger sur place. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de réchauffer. Donc, en fait, là, il y aura carottes, il y aura de la betterave fraîche, hein, j'aurai juste à la couper, et de l'avocat. Et là derrière, en fait, il y a trois œufs qui sont en train de cuire, donc des œufs durs. Donc en fait, soit vous épluchez donc la carotte, suis pas très fort pour éplucher. Hein. Bon, en général, j'épluche pas, mais bon là, je montre que j'épluche parce que il y en a qui mangent pas la peau. Moi, ça me pose pas de problème. C'est bon, j'épluche quand même. Voilà. Et après, c'est la partie la plus longue et la plus ennuyeuse, c'est de râper. Donc, il y en a qui ont des appareils, moi j'en ai pas, donc je ne fais pas l'ancienne. Voilà, donc là j'ai râpé. J'ai oublié de dire pour les œufs, un coup que ça bout, c'est 10 minutes. Donc vous attendez que l'eau boue et vous plongez vos œufs pendant 10 minutes. Donc là je vais m'attaquer à la betterave. Et là, l'avocat. Donc pour ça, c'est bon. J'ai plus qu'à attendre que mes œufs soient prêts. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais les éplucher, je vais les passer un peu sous l'eau froide pour que ça s'épluche plus rapidement, je vais les trancher et je vais les rajouter à ça. Donc là, je vais vous montrer comment je vais faire la vinaigrette. Alors là, pour la vinaigrette, en fait, il y a une demi-cuillère à café de moutarde. Et j'ai mis, enfin là, je sais pas si on voit, j'ai haché une gousse d'ail. Donc, une gousse d'ail, je sais pas comment on appelle ça. Bref. Et je vais mettre dedans de l'huile d'olive, donc que je fais à l'œil, hein, ça doit être l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Ouais, même une très bonne cuillère à soupe. Pareil pour le vinaigre de cidre. Hop. Et là, par contre, un tout petit peu, c'est pour le goût un petit peu sucré du vinaigre balsamique. Donc là, pareil, l'équivalent d'une cuillère à café. Hop. Et voilà, mélange. Voilà, donc là, j'ai la vinaigrette pour accompagner tout ça. Donc voilà, ça y est, c'est fini. Donc j'ai ma recette qui est terminée. Enfin, recette, c'est très simple à faire, hein. Donc là, on voit tout, les carottes, enfin la carotte râpée. Ma betterave, mon avocat et mes trois œufs. Donc voilà, après vinaigrette, comme j'ai dit, vinaigre balsamique, une cuillère à café, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive, de l'ail, ça c'est comme vous préférez, il y en a qui n'aiment pas trop, moi j'adore ça, et une demi-cuillère à café de moutarde. Donc on mélange tout, après vous arrosez bien tout ça avec, et voilà. Donc ça c'est plus une assiette quand on essaye de faire attention à pas trop consommer de calories. Donc là, c'est très très pauvre en glucides. Il y a des bons lipides, donc avocat, l'huile d'olive, l'eau jaune d'œuf. Et après, ben, vous avez quand même une bonne source
de légumes, quoi, avec betteraves et carottes. Donc voilà, vous avez des bonnes choses, c'est assez simple, on peut transporter, c'est bon quand on est un petit peu à la diète. Moi personnellement, j'ai pas besoin de manger plus sur un repas, donc les gens sont toujours surpris par les quantités, mais c'est, je vais pas vous mentir, hein, c'est ce que je mange, donc pas besoin de plus pour moi. Je dois avoir un métabolisme très très lent, donc j'ai pas besoin de beaucoup plus. Donc voilà, la recette super simple de salade froide à transporter ou à déguster quand on veut. Voilà, allez, à plus, ciao!